Je vous présente les Miss Caredas. Alors, trois coiffeuses sur quatre, hein, ouais. Voilà, qui ont décidé de fermer la porte pour cause de trek. Elles marchent dans le désert marocain. C'est bien ça, Sandrine? Oui, c'est ça. On a fermé pendant 10 jours pour pouvoir participer au trek. Voilà. Donc, toutes nos clientes étaient au courant et nous suivent sur le site du trek Elles marchent. Et vous avez mis les photos et les raisons vraiment sur la devanture du salon? Ouais, ouais, on a mis des sets de table qu'on nous avait gentiment offerts. Donc, on remercie Julie de KissKissComCom qui nous a offert 10 000 sets de table avec nos super photos dessus, en mode trekkeuse. Et c'était aussi pour par solidarité aussi, hein, que vous êtes venue. Oui, donc on aide deux associations d'enfants qu'on a comme clients qui sont des maladies ou des handicaps. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ces enfants? Donc, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Le premier truc qu'on a fait, c'était le vide dressing. On a organisé un vide dressing. Donc ça, ça a hyper bien marché. On faisait payer la place et buvette et compagnie. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? L'auto. La braderie des commerçants où on a vendu des glaces et des boissons. Mmh. Après, les boissons, le loto des associations de la ville, où chaque carton vendu à 20 euros revenait entièrement à notre association. On a fait un marché de Noël, où on a vendu aussi plein de petites babioles. Une tombola. Et aussi une vente de chouquettes début mars, toujours au profit. De cette association. Bravo les filles, hein, vraiment des femmes au grand cœur. Et c'est pas tout, j'ai appris aussi en discutant avec certaines trekkeuses que vous, une fois par mois, vous allez couper les cheveux au SDF, c'est ça? Non, on l'a fait quand on a fermé notre salon pour des travaux, on a été au Resto du Cœur. Ah, et ouais. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Bon, on coiffait les gens gratuitement. Et ben voilà, des femmes en or, les Miss Caredas. Et ce désert, on s'est croisés au tout début. On se recroise là, dernière journée, dernière étape. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Sandrine? Bah, moi, je trouve qu'on voit l'essentiel au final. C'est vraiment un trek où le défi solidaire est plus important que le défi physique pour moi. Mm-hmm. Noémie, moi, On se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Mmh. Surtout. Saut d'eau. Et après, on a vu des paysages magnifiques, vraiment. Pourquoi pas grand chose? Tu peux me donner un exemple? Un saut d'eau pour prendre une douche. J'ai réussi à me laver les cheveux hier soir quand même. Après 3 jours. Voilà, je suis contente, j'ai les cheveux propres. Et vous les filles, Aurélie? Eh ben moi, pareil, déjà des paysages magnifiques. Hein. C'est vrai que moi, je pensais pas du tout que le Maroc était comme ça, avec tous ces paysages différents. Et ensuite, on a quand même vu que nos portables ne nous manquaient pas. Toute la technologie et tout qu'on utilise peut-être 10 heures par jour, on a réussi à déconnecter carrément sans que ça nous manque réellement, en fait. Il y a même des vocations qui sont nées, hein, parce que ça y est, tu t'es prise au jeu, ça y est, maintenant t'es partie pour des treks. Oui, voilà, moi, quand je rentre, là, je cherche le prochain. Je ne pensais pas que marcher 4 jours allait me plaire, finalement. Et je me rends compte que, tu vois, là hier, en une journée, on a vu au moins 5 ou 6 paysages différents, qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Les téléphones, ça ne nous manque pas. Malheureusement, l'actualité, tout ça, ça ne nous manque pas non plus. On a appris à lâcher prise aussi. Il n'y a plus qu'à repartir. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous regardent? Eh bien, participez au trek Elles marchent. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous verrez ce que c'est. N'hésitez pas. Voilà. Puis, n'hésitez pas, vos pieds vous c'est amèneront faisable. Au bout. Au bout. Et ben, Noémie. Bon, allez, pour un dernier pour la route. Le cri de guerre des Miss Caredas. Les Caredas. Et dans la place. Ah, donc, allez, 1, 2, 3. Caredas est dans la place. Pardon. Il va finir.